Coucou, donc là on est dans la partie plus senteur et goût. Donc j'ai mis plusieurs produits pour essayer de regrouper. Je sais que ça va faire énormément de vidéos, j'en suis vraiment déjà désolée. Mais si je vous avais fait une seule vidéo, je crois que ça vous aurait genre juste gonflé. D'ailleurs, quand je vois tout ce qui me reste à faire, c'est genre juste énorme. Donc là, on va parler de tout ce qui est brume Victoria's Secret, du thé, des gels hydroalcooliques et ainsi de suite. Donc j'ai été chez Victoria's Secret, dans plusieurs d'ailleurs. Donc un dans le New Jersey, un sur la 5e avenue et d'autres que j'ai trouvé dans New York. Mais seulement, franchement, pour être honnête, j'ai pas vraiment accroché, enfin il y a les vêtements, les sous-vêtements, je veux dire, c'était pas ce que je voulais. Bref, je me suis dit, il me faut absolument des brumes parce que moi j'avais vraiment tablé là-dessus, je voulais des brumes. Donc voilà. Alors j'ai acheté une, je pense, qui est très très connue, qui est la Pure Seduction, donc comme ceci, qui est prune rouge et fraisia. C'est vrai qu'elle sent très bon et j'en avais très envie. Donc en fait, en tout, c'était 5 produits pour 25$. Un truc dans ce genre, ou 20$, je sais plus, bref. Entre 20 et 25$, je crois que c'était 20$ d'ailleurs. Donc 5 produits pour 20$, et voilà. Donc je vous en ai pris pour vous, mais je vous les montrerai pas et je ne vous dirai pas lesquels c'est. Donc moi, je me suis pris la Pure Seduction pour moi. Ensuite, j'ai pris la Sensual Blush au Lotus Rose et Bois Enchanteur. Celle-ci, elle sent super bon. Donc je vous en parlerai un petit peu plus dans d'autres vidéos parce qu'il y en a que j'ai pas vraiment beaucoup utilisé. Maintenant, vous savez que les brumes corporelles de chez Victoria's Secret sont assez gourmandes, assez sucrées pour la plupart. Donc voilà, donc c'est de là pour l'instant. Ensuite, j'ai acheté la Sunny Brights, donc c'est la Love Rush. Donc c'est brume parfumée comme ceci. Donc celle-ci, c'est celle qu'ils ont fait pour l'été. C'est à la groseille sauvage et au lys brillant. Donc je trouve qu'elles sont super bon. Celle-là, je sais pas si c'est celle que j'ai plus utilisée. Non, c'est l'autre. Celle-là, je l'ai pas encore utilisée, je l'avais swatchée dans le magasin, mais je sais qu'elle sent bon. De toute façon, tout ce que j'ai pris, c'est ce que j'aimais bien, donc sinon je les aurais pas prises. Hein. J'ai pris toujours dans la gamme Sunny Bright, la Sun Blissed, comme ceci. Et celle-ci, elle sent trop bon. C'est tamarin, gorgée de soleil et marguerite dorée. Et ça, pour le coup, ça sent vraiment les vacances. J'aime bien, je saurais même pas vous décrire l'odeur, mais c'est très très doux. Je trouve que c'est pas une très forte, elle est douce, elle rappelle vraiment les vacances. Donc elle est vraiment vraiment parfaite, par contre très sucrée. Ensuite j'ai pris dans la collection Sparkling Citrus, la Lemon Escape. Donc c'est Lemon Sugar et Coconut. Celle-là pour le coup je l'ai pris deux fois. Et en fait je dois avouer que je l'ai même pris trois fois. Puisqu'il y en a une que j'ai absolument mis directement dans le lot pour les concours. C'est sucre citronné et noix de coco. Et alors celle-ci c'est ma préférée de toutes. Ouais j'adore trop. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, je sais pas si vous connaissez, mais Sephora avait fait pendant tout un temps un gel douche, un gel de bain qui était citron tarte meringuée. Et ben c'est la même odeur mais en sprout sprout et c'est juste, j'adore trop cette odeur. Donc du coup je me suis dit je peux pas en prendre qu'un seul, d'office faut au moins que je m'en prenne deux pour moi et je vous en ai pris un pour vous parce que, enfin voilà, l'odeur est juste à tomber, c'est la même chose, on dirait vraiment de la tarte meringuée et c'est très doux et j'adore. Donc celle-là, obligée en deux exemplaires. J'ai pris le gommage corporel de la même gamme, comme ceci. Donc parce que je me suis dit, vas-y Audrey, faut absolument que tu l'aies. Donc c'est bon, toujours la même odeur. Et ce sont des tout petits grains vraiment de sucre comme ça. Et ça exfolie vraiment très bien, mais c'est vraiment des tout petits sucres, vous verrez pas ici. Mais tout petit sucre. Et franchement, ça vous laisse la peau super douce. Et alors cette odeur, mais cette odeur, c'est... Je sais, ça fait vraiment la tarée, mais... Ça sent trop bon quoi. Si vous aimez vraiment ce que je vous ai dit, la tarte citron meringuée, vous allez vraiment trop l'aimer celui-ci. Donc moi celui-ci je l'ai trouvé dans le New Jersey, dans un Victoria's Secret. Par contre quand j'ai été à Londres, je les ai pas trouvés ceux-là. Oui parce que sinon j'aurais craqué encore, je me serais... Oh. Et alors j'ai pris quand même une lotion hydratante corporelle et j'ai pris la Pure Seduction comme ceci. Donc vous allez me dire, t'aurais peut-être dû prendre l'autre coco et tout, mais je me suis dit bon non allez... Non j'ai pris celle-là, c'est vrai que les fruits rouges ressortent vachement. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, chez Victoria's Secret, toujours aux États-Unis, j'ai acheté un parfum donc, qui est le Heartbreaker, comme ceci avec la petite chpouchpouch. Il sent super bon, j'adore. Et en fait, si vous voulez, il était à moins 50% ou quelque chose comme ça. Je l'ai payé, il me semble, si je dis pas de bêtises, 30$ au lieu de 60 et quelques. Donc je l'ai pris directement.
Ils sont super bons, c'est très femme, j'aime beaucoup. Par contre, il peut devenir entêtant si vous en mettez trop. Donc mettez juste une petite pulsion, juste un petit sproc et c'est bon. Ensuite, je suis passée chez Bath & Body Works. Et chez eux, j'avais flashé complètement dans ma wishlist pour les gels hydroalcooliques. Donc j'ai acheté ceci, donc le petit porte-bidule. Donc vous mettez votre petite bouteille. Et ici à l'intérieur, c'est le Smart Cookies. Donc ça sent le cookies en fait. Mais pour être honnête, ça sent vachement le caramel sucré comme ça. J'ai pris également le Pink Chiffon comme ça. Donc là-bas, c'était également des offres, genre je crois que c'était les 5 pour je sais plus combien de dollars. Bref, plus vous en preniez et moins c'était cher. Non, même pas, c'était les 10 pour 5 dollars, je sais plus. Ouais, un truc dans ce genre. C'était vraiment pas cher. Je vous le montrais d'un peu plus près. Donc ici vous avez le Pink Chiffon qui est avec des petites paillettes, vous voyez comme ça, de bébé cadom. Je vais vous montrer le petit distributeur d'un peu plus près, donc qui est comme ceci, c'est un petit chat que j'ai pris, vous pouvez accrocher. Et c'est plutôt sympa je trouve. Donc moi vous voyez c'est le, comme ceci, le cookies. Ensuite j'ai pris le Pink Peony, donc comme ceci, avec des petites billes d'aloe vera à l'intérieur, violettes, comme ceci. Ensuite, on a pris le Stress Relief. Oui, parce que mon chéri, on a cherché aussi. Donc, je pense que celui-ci, c'est lui qui l'a choisi. Donc, celui-ci. Avec des petites billes, toujours, comme ça. Celui-là, je vais vous dire qu'est-ce qu'il sent. C'est mon chéri qui l'a choisi, je crois. Ouais, c'est citronné. Et un petit peu odeur masculine. Donc, je pense que c'est vraiment lui qui l'a choisi. Et puis, ça me dit rien, ce design. Je veux dire, quand on voit mon design à moi, on a tout de suite compris qui c'est qui a choisi le truc. Hein. Ensuite, on a pris le Coral Reef. Alors. Le sentir. Ouais, c'est une odeur sucrée. Donc, comme ceci. Donc, toujours avec des petites billes à l'intérieur. Ensuite, on a pris le Island Margarita. Donc, ça, c'est mon chéri, j'en suis sûre aussi. Toujours comme ceci. Ensuite, j'ai pris le Japanese Cherry Blossom. Comme ceci. Le Midnight Pomegranate. Donc, ah, celui-là, ils sont trop bons. Ce sera le prochain que je vais mettre dans mon petit chat. Ça. Donc pour les odeurs, je suis assez enfin, dur à. C'est difficile à décrire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime tout ce qui est sucré, donc en règle générale. Et j'ai pris le Caribbean Escape, comme ceci. Donc voilà. Et celui-ci, je veux dire. On sent un petit peu la noix de coco, mais c'est pas ce qui ressort le plus. C'est vraiment une odeur très très fraîche de vacances. De plage, voilà quoi. J'ai pris ça. Donc voilà, au niveau de Bath and Body Works, j'ai rien pris d'autre parce que ça m'intéressait pas vraiment de prendre des bougies ni rien. Ensuite, on est passé dans un magasin outlet de chez Yankee Candle. Donc j'ai acheté quelques petites choses. Il y en a d'autres qui sont parties déjà dans le concours. Et mon mari a acheté ça en fait, vous savez, c'est pour la voiture. Donc il en a pris deux. Il a pris le Yankee Candle Sun and Sand. Et l'autre, c'est le Bahamas Breeze. Et il en a pris un troisième parce que c'était trois pour je sais plus combien. Il a déjà mis dans la voiture. Alors, moi j'ai pris des tartelettes et des petites bougies. Donc, je vais vous les sortir. Elles sont très fortes. Et en plus, j'ai pris beaucoup d'odeurs qui étaient assez similaires en fait. Donc, c'est ça que ça fait une odeur de masse. Un truc de dingue. Faut juste gaffe, en plus, il y en a une qui est utilisée. Donc, ouais, voilà. J'ai commencé à utiliser une tartelette. Alors les tartelettes, je sais plus combien j'ai payé, mais franchement, je crois que j'en ai eu pour 17$. Et encore, il y a des trucs que je vais pas vous montrer puisque c'est déjà dans les lots. Donc j'ai pris la Yankee Candle Noël Blanc, comme ça. Donc alors, attendez, je secoue parce que ça tombe de tous les côtés. Ok, là. Ça va. Bon, je vais peut-être manier un peu plus là. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc j'ai pris celle-ci, la Noël Blanc. Ensuite, j'ai pris celle-ci, la Baby Powder. J'ai pris la Biscotti. Bon, elle sent un petit peu abîmée, vous voyez, sur le côté, parce que bon, bah, y a eu le transport. Voilà. J'ai pris la Cookies and Cream. Alors, il y a des gens qui m'ont déjà envoyé des messages en me disant « Ouais, je croyais que t'aimais pas Yankee Candle », mais rien à voir, hein. J'ai fait une petite parodie dessus, c'était juste pour rigoler, ça veut pas dire que j'aime pas. J'ai pris la Milk and Cookie, qui sent super bon celle-là, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai pris la Maple Pancake, qui sont les pancakes, voilà, comme ça. Il y a beaucoup de bouffe hein, chez moi. J'ai pris la Gingerbread, qui sent aussi vraiment beaucoup tout ce qui est épices, cannelle, pain d'épices et tout. Là. Pain d'épices et tout et tout. Et ensuite, j'ai pris trois petites comme ça. Donc celle-là, c'est la Gooseberry Jam, qui sont... C'est assez spécial, je ne saurais pas vous dire en fait ce que c'est, mais ça sent spécial, mais c'est très épicé.
J'ai pris la vanilla frosting, frosting, qui celle-là sent super bon, ça sent la vanille, mais pas que la vanille, vous voyez, c'est vraiment le gâteau crème comme ça que vous sentez. Et l'autre, j'ai pris la Macintosh Spice, qui elle sent vraiment aussi pareil, beaucoup la cannelle. Donc voilà. Donc voilà pour les Yankee Candle. Donc franchement, j'en ai eu genre pour peut-être 17$, un truc dans le genre. Et je trouve que c'était vraiment pas cher. Et ensuite, j'ai pris du thé célestial, puisque je ne me voyais pas rentrer sans thé célestial à la maison. J'ai pris le Free Tea Sample. Donc en fait, là-dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 variétés. Donc je trouvais ça plutôt pas mal pour les tester. Vous avez le Raspberry Zinger, le Country Peach Passion, le Wild Berry Zinger, le True Blueberry et le Black Cherry Berry. Black Cherry Berry, je l'ai déjà, mais c'est pas grave. En fait, à l'intérieur, donc je vais vous montrer, ça se présente comme ça. Vous avez par exemple un paquet comme ça, blueberry, et quand vous ouvrez, vous avez plusieurs sachets à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, moi j'adore le thé, donc j'étais super contente d'en trouver. Et puis bon, voilà, il y avait des goûts qu'on n'a pas ici, nous en Belgique. Ensuite, j'ai pris le Sleep Time comme ceci, donc le vert, je l'avais pas. Donc j'avais le bleu, donc je me suis dit, tiens, nounours vert, on prend. Ensuite, j'ai pris le Green Tea Antioxydant Raspberry Garden, comme ceci. Donc j'avoue que je me suis pas trop fiée au goût, mais plus au packaging, ceux que visuellement je reconnaissais pas. J'ai pris le Whitey Smoothest Moustache, bon bref, comme ceci, avec le petit poisson dessus. Et j'ai pris le Mint Magic, comme ceci. Donc voilà. Ils sont tous décaféinés pour la plupart, pour ceux que j'ai pris, à part celui-ci je crois apparemment. Mais sinon ils sont tous en caféine free. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était odeur, senteur, enfin vous voyez à peu près ce que j'ai essayé de classer ensemble. J'espère que ça vous aura donné des idées. Moi de toute façon, quand j'aurai tout testé, bah, bien évidemment je vous dirai ce que j'en ai pensé. Si j'aime pas, bah j'aime pas. Si j'aime bien, bah j'aime bien. Si j'aime bien et que je veux en racheter, je suis dans la merde. Mais bon, je veux dire, voilà quoi, c'est... Ce sont des achats que je voulais faire de toute façon, donc voilà, réfléchi, mûrement réfléchi et approuvé. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui, elle, je pense, sera dédiée à tout ce qui est soin du corps et soin du visage. Je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao !